Les priorités politiques, elles sont à la fois politiques et législatives. Politiques avec le logement de nos compatriotes, les différents chantiers qui ont commencé, la société des bains de mer avec des échéances très importantes sur le plan social et sur le plan de l'augmentation de capital. Également des priorités législatives avec une loi de désaffectation du testimonio qui va faire l'objet d'une étude de notre part. La loi sur les fonctionnaires qui doit être analysée, scrutée pour que le Conseil national prenne une position politique dans les mois qui viennent. Le sujet de l'Europe, avec le début de ces négociations, et le Conseil national prendra toute sa part avec ce groupe qui participera à l'organisation et à la préparation de ces négociations avec le gouvernement princier. Et puis d'une façon générale, beaucoup de propositions de loi que la majorité va déposer et le suivi d'un certain nombre de gros dossiers en cours. Le projet IDA, on a fait voter une dotation de 5 millions d'euros dans le cadre du budget 2015. Comment construire pour les enfants du pays, créer et construire une école maternelle dans le quartier et puis essayer d'organiser au mieux ce quartier pour essayer aussi de reloger un certain nombre de nos compatriotes qui sont et qui le demandent en plus dans le cadre de ce collectif. Donc ça fera partie d'une de nos grosses priorités des 6 prochains mois.